Une laveuse qui commande elle-même du détergent, une imprimante qui s'occupe d'acheter toute seule de nouvelles cartouches d'encre. C'est devenu une réalité aux États-Unis avec le nouveau service Dash lancé hier par le géant de la distribution Amazon. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Céline. C'est un service qui soulève quand même bien des questions. Comment ça fonctionne d'abord? Bon, ça s'appelle Dash Replenishment. Donc, c'est offert aux clients qui ont le service Amazon Prime aux États-Unis. Ça peut fonctionner, par exemple, avec des laveuses à linge comme celles qui ont été lancées lors du CES à Las Vegas il y a 2 semaines. Donc, une laveuse dans laquelle on met tout notre détergent liquide et qui est équipé de senseurs et qui va commander elle-même une nouvelle bouteille de détergent quand elle se rend compte qu'elle arrive là au bout de son réservoir. On peut se demander si on en a vraiment besoin, oui, mais bon, on se posait la même chose à propos des notifications Facebook il y a 10 ans. Hein? Alors, ça s'inscrit quand même dans une tendance qui tout à fait global. Hein? Oui, effectivement, c'est l'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? Bien, imaginez-vous là, que de plus en plus des objets qui nous entourent sont connectés eux-mêmes à Internet. Les moteurs d'avion, les automobiles. On a aussi les caméras de surveillance qu'on a chez nous pour surveiller les enfants. On a évidemment les laveuses à linge, les imprimantes et aussi les calculateurs de taux de glucose qui font partie des 3 produits de lancement de ce service Amazon Dash Replenishment. Bon, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas des risques à laisser entrer comme ça l'Internet des objets? Bien, c'est toute la question, parce que vous savez, l'Internet des objets, depuis 2012, selon Cisco, le nombre d'objets connectés sur Internet a dépassé le nombre d'êtres humains sur la planète. À la fin 2012, on était à 8,7 milliards d'objets connectés. 2014, 17 milliards d'objets connectés. Et on prévoit d'ici 5 ans qu'il y en aura 75 milliards d'objets connectés. Alors, c'est 75 milliards de portes ouvertes aux pirates. Alors, est-ce qu'on est prêt à connecter notre maison complète pour se faire pirater notre maison à un moment donné? Parce que là, une laveuse, on peut penser que c'est un peu banal, mais quand c'est le système de chauffage, c'est une autre paire de manches. Et évidemment, le service Amazon Dash va venir peut-être dans quelques années avec un système Amazon Prime Air. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est le fameux drone d'Amazon qui est toujours dans leur carton et qui promet une livraison de tout objet de 5 livres ou moins dans un délai de 30 minutes à votre porte. Mais ça veut dire qu'il y a encore plus de pollution sonore, visuelle dans le ciel. Alors, on le voit en définitive, ces questions-là, elles sont, oui, technologiques, mais aussi et surtout politiques. Et ça, il va falloir en discuter. Oui, et pourtant, est-ce qu'on peut arrêter le progrès? Oui, effectivement, mais en bout du compte, c'est une question politique et on a quand même une prise là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline.